petit David. Tu as un papa, un nouveau. Un nouveau papa. Allons, David, n'aie pas peur. Il n'y aura rien de changé dans cette maison. Tout sera comme avant. Mon frère et moi venons de mettre au point de nouvelles dispositions afin d'assurer la bonne marche de cette maison. Fort séduisante, Nantie. Une jolie fortune. Tu sais, monsieur Marcel est un homme très bon. Qu'un sale petit bonhomme. Je me demande par quelle aberration ma pauvre nièce a pu épouser un tel individu. Pourquoi avez-vous décidé d'en faire un voleur? Cette solution ne plaît pas. Je te promets d'être le plus gentil possible avec vous. Ça ne m'étonnez pas à vous. Cette photo, c'est pour vous plaire. Les fleurs, c'est pour son anniversaire. Vous n'avez pas le droit de me battre. Vous bat avec tes... un homme remarquable. Votre fils est un mourien. C'était à prévoir. Elle ne s'arrange pas pour le faire disparaître. Il me faut une garantie. Mais qu'est-ce que c'est que cette hurluberlue? Tu vas me payer ça! 48 heures, nous en serons débarrassés. Le collège, monsieur Merton, c'est la seule façon de vous débarrasser. Mais qu'est-ce? Tu crois qu'il va mettre en dessous? Monsieur ne restera pas une minute de plus dans cette maison. Vous ne pouvez pas faire ça! Non! Mais ce n'est plus la moitié que je veux, c'est les trois quarts. Ce garçon est complètement borné. Mais c'est pour décider de l'avenir de ce garçon que le conseil de famille se réunit ici cet après-midi. Je ne veux pas être un voleur. Charmant enfant. Oh, c'est un enfant doué. Il s'agit maintenant d'en finir avec ce gamin. L'essentiel est que chacun y trouve son compte. Tu me diras ce que tu as décidé. Travailler ou mourir de faim. Et que Dieu bénisse mon pauvre petit David. Monsieur. David. Il s'appelle David Copperfield. Oh, il est charmant cet enfant. Ouais, non, mais moi j'ai plus de mots là.